éléments du camp 2, phare d'essai pour arriver ici dans le M23. Bel et bien, ils sont arrivés en masse, donc ils sont tellement nombreux, mais pour des raisons d'autrement de distance, nous sommes obligés de vous montrer certains officiers qui sont arrivés au sein de notre camp, dans du M23. Il y a beaucoup de défections de la part des phares d'essai. Donc sans plus tarder, ils sont là, vous-même vous allez les interroger. Donc je peux parler avec eux? Oui, pas de problème, parlez avec eux, ils sont là. Le commissaire supérieur de la Cour fait 18 des élèves, le pas commandant de la Cité de Tchanga, assisté chargé de la police administrative. Tolingi yango M23 lingi to formé nation e ezana tribalisme dit nation e ezana tribalisme dit nation e ezana tribalisme dit tolo ba ya solo ba officier boy bolingi bo boma bango pone longi bo yango boni force bazana ngo mayelo bazana ngo biso to yambi bango e ko salisa biso na M23. Ma mission TV, le miroir du monde. Nous sommes ici à Rutshuru aujourd'hui, le 8 février 2023. Ici encore à Rutshuru une fois de plus, pour une exclusivité sur ce qui se dit dans les médias. Est-il vrai, mon major, qu'il y ait des défections de certains éléments du camp 2, phare d'essai pour arriver ici dans le M23. Bel et bien, ils sont arrivés en masse, donc ils sont tellement nombreux, mais pour des raisons totalement de distance, nous sommes obligés de vous montrer certains officiers qui sont arrivés au sein de notre camp, dans du M23. Il y a beaucoup de défections de la part des phares d'essai. Donc sans plus tarder, ils sont là, vous-même vous allez les interroger. Donc je peux parler avec eux? Oui, pas de problème, parlez avec eux, ils sont là. Atlanti njoaba benye munaona sasa mtu na mtu atajipresente ku jina lake na fasi kwenye alitoka na kazi yenye alikuwa anatumika. Tunaenda kwa mama moya tutaanza nao. Mimi ni commissaire supérieur Gakufe Ndiziwe Désiré. Nilikuwa komanda kusia tetere Kichanga Masisi chargé na police administrative. Atlanti mwenye anafuata. Mimi ni colonel Bahati Gaizi John. Nilikuwa natumikia ku region, nilikuwa kazi nilikuwa nafanya mbele kidogo. Nilikuwa commandant secteur adjoint 83e secteur. Asante. Mwenye anafuata. Ketla colonel Kusimihuro Frank. Nilikuwa goma, nilikuwa disponible, nilikuwa na seta na mina ikara. Asante. Mwenye anafuata. Major Zidane Saidi 34e regiment, nilikuwa commandant bataille Sego makanishimamisha juu ya tribalisme. Aksanti. Lieutenant Moussafi Janvier, nikuwa mu 34e région militaire, nikuwa chef préto ku petite barrière. Aksanti, nye peke mura basikia. Jua nini ulitoka ndani ya police congolaise? Pourquoi avez-vous quitté la police nationale congolaise? Nimetoka juu ya kutoweza, mimi singepasha kuweza kutumika na hii gouvernement kwetu, wakati ilikuwa inakolabore na magroupe armé, nikuwa Kichanga, me ma groupe armé zote ziko na fama marini ama presence missing pasha ku assister parce que ni kwa mutusi bali bangombe za bandugu yetu bali wa bandugu yetu ama presence c'est pourquoi nikaona sitaweza siwezi tena siko kitu parce que je ne peux pas intervenir en cas de nécessité
Et j'ai dit, kutoka ni rejoindre wa ndugu yetu. Accent. Ok, ce qu'il a dit, donc il ne pouvait pas travailler avec ce gouvernement. D'autant plus que ce gouvernement travaillait, était à connivence avec les groupes négatifs, notamment les Fdeleur, les Niatoura, les Maïmaï et consorts. Ils venaient, ils pillaient des vaches de leurs frères, de leur famille, mais lui, il ne pouvait pas participer dans des réunions. Pourquoi? Puisqu'il est Tutsi. Et de là, vraiment, il était tellement marginalisé et il n'en pouvait pas travailler avec ce gouvernement, donc avec cette police. Pourquoi vous avez quitté le FRDC? Namna ndugu yangu ameisha maliza waambia nimetoa kwa FARDC, yani singeweza tumika na FARDC wakati wananyanyasa wa ndugu zetu, wakati wanaua wa ndugu zetu, wakati hawatupatie valeur. Nilivyowaambia mbele, niliwaambia kama nilikuwa komanda 83e secteur Mushaki adjoint, lakini wakanibagua, wakanitosha kwenye fonction, wakanitosha ukazi juu ya ubaguzi. Alors singeweza kutumika na watu ambao wana ubaguzi, watu wataua wa ndugu zangu. Nikienda fanya intervention ya ndugu wanatukatalia, ni kusema hawatupatie valeur kama watu. Asante. OK, merci. Mais comme le commissaire vous a déjà dit cela, moi personnellement, pourquoi j'ai quitté le FRDC? Comme vous le savez, j'ai dit ça parfaitement bien, qu'on nous maltraitait avec, au vrai sens du mot, et on maltraitait nos membres de famille. On les tuait. Et moi, personnellement, comme je vous ai dit, j'étais commandant donc de 83e secteur, adjoint, le commandant adjoint, mais j'étais tellement marginalisé, on ne donnait pas de valeur, comme il se doit, avec mon grade, mais on nous traitait comme des babioles, donc des gens sans valeur. Accepté. Et vous, pourquoi vous avez quitté le FARDC? En tout cas, moi, le FARDC, je suis à Mawaji. La semaine, je suis à Kiroriwe. Je suis à chef Koutimi. Je suis à Serté Bougegene. Je suis à l'intervention de la FARDC. Je suis à la FARDC. Je suis à la soldat général de Mugabo. Je suis à la centre de Kiroriwe. Je suis à la musique. Je suis à massacrer les soldats qui ont été vite. Je suis à un message. Je suis à la FARDC. Je suis à la FARDC. Je suis à la FARDC. Je suis à la génocidaire. La génocidaire, FDRR, Nyatura, Maïmaï, na wale watu ndio wanaua ndugu zetu. Wanaua ngombe, wanakula vitu yetu, hatuna neno. Ni ofisa mwenyewe unatembea mbarabara, hawezi semea hata mtu mmoja. Niko letena koloneli, mimi siwezi fungula meme kapolari. Kama iko na shida, swati mzazi yangu kama akipata shida. Ile ndio ile chama kutoka mwa FARDC. Okay, moi j'ai quitté le FARDC, comme vous le savez, j'étais à Kilolirwe, précisément. Alors, je donne un exemple, puisque même là, on a tué un chef qu'on appelle le Bouegeni. Bouegeni. Ça, ouais. Maintenant, c'est parmi les militaires et général Mugabo qui les ont tués. Mais lorsque je parlais, on m'a traité de n'importe quoi. Alors, les FARDC massacrent, donc tuent même les militaires qui refusent d'aller au front. On le tue. Ils ont tué des militaires, beaucoup de militaires qui ont été tués, et ils ont massacré la population. Ha, on a sema ulikuwa Kiloriwe. Tu as dit vous étiez à Kiloriwe. Kwenye waliua na ba jeshi, donc wa jeshi wengine wanaua wa jeshi wengine, ilikuwa namna gani? Là où le militaire de FARDC ont tué leurs compagnons d'armes de FARDC. Utufasirie kama ilikuwa namna gani? Expliquez-nous exactement. Ngana za kiwana na Kiloriwe. Moi j'étais à Kiloriwe. Bato o ba komanda na biso. Soda soka boy ordre. Na mi beko kele kubunda, bakange meme bazoka sonete bakange singa bumi na bakange singa. Bakange singa pia wabumie. Pua wabu yorodri na bango. Akisha katala pigana, wana mfunga kamba, wana wawua macho yangu. Je vis ça de mes propres yeux. Pia bakange photo. On ligotait les militaires qui refusaient d'aller au front. On les tuait, on les massacrait. D'autres les arrêtaient vraiment au vrai sens du mot. Alors j'étais là moi-même sur place. J'ai vu comment est-ce qu'on a tué beaucoup de militaires. On prenait des photos, moi je ne sais pas, peut-être que vous les avez envoyées, je ne sais pas. On prenait même des photos des militaires qui étaient ligotés, des morts qui étaient ligotés, on prenait même des photos dans ma présence. Même chef, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de soko wangu wakumi lanzela babeti wangu masasi bakimi batiki ibembenase. Même le chef qu'on a tué, il n'était pas mort sur place. Il y avait les gens qui sont venus les aider. Alors lorsqu'on transportait son corps, qu'il saignait d'abord, alors le militaire de FARDC ont tiré sur eux et on a jeté même les corps
de ce homme-là, de ce chef-là sur place. Pour un peu faire effacer les traces, on a arrêté encore nos frères, puisqu'ils sont Tutsi, et ils sont en prison à Goma. Ah, accenti. Moutambi a par de ce qu'on na l'engine, ni banani. Tu nous as dit que non, le FRDC travaille avec les alliés. Mais qui sont ces alliés? Alliés au FRDC, Maïmaï, FDRR, Nyatula, Nabazungu. Ah, on a sema Bazungu? Bandele Bazali. Ok. Ah, le FRDC, il y a. Donc nous avons le FRDC, le Nyatura, le Maïmaï, et il y a des blancs. Bazungu, va les Bazungu, va toi Karapi. Les blancs? Qui sont ces blancs? Ils sont là, ce sont ceux qui utilisent les armes lourdes. Ils sont là. Donc, c'est ce que j'ai dit à tout le monde de comprendre. C'est que nous avons des milices et il y a aussi des blancs. Moi-même, je les ai vus. Ah, ils sont toujours ensemble avec le général Mayanga. Ils sont ensemble à tout moment. Et d'autres sont avec le général Mugabo. Il y avait des blancs. Accent, va y bazungu là où on a été à Koufron. Ces blancs là, eux aussi partent au front. Oui, exactement. Ce sont eux qui utilisent les armes lourdes. Les armes d'appui. Accent. Na wo le faire la défection jouer à l'île. Et vous, pourquoi vous avez fait la défection sur le FARDC? Mina juzuru mo FARDC. Tokana na mauaji yenye kinafanyikana na ndugu yetu, familia zetu ziko zinakufa, na kuta sasa hakuna kazi yenye tuko tunafanya mu FARDC kutokana na mauaji yenye kinafanyikana na ndugu yetu. Hapa juzi kichanga barua babangu Muloko barikuwa anamuita vete, bari mupiga avaba muue banufanya crime contre l'humanité. Na wenyewe banufanya ile yote ni Karaire na Gido bakishibamiwa na General Mugabo. Ndio imesababisha mimi nitoke mu FARDC ni kwe ni nisaidie bandugu yangu. Moi personnellement, pourquoi j'ai quitté les FARDC puisque on tue, on massacre nos membres de famille. Moi personnellement, on a tué mon oncle paternel qui s'appelle Vété par Guido et qui était commandé par le général Mugabo. Mais moi personnellement, je ne peux pas supporter de travailler encore au sein des FARDC qui tue, qui massacre nos familles. Donc je ne peux pas supporter de faire ça. Je dois venir leur défendre. On a s'imagine le général Mugabo. On a quoi un FARDC, on a quoi Kawabi. Est-ce que le général Mugabo c'est qui? On a quoi un FARDC, on a zariwa uko Masisi Kinigi, ni mwanaume mwenye ko criminel. Hapendage kabila batusi kote kwenye bako. C'est un tribal Mugabo qui est né ici à Kinigi, un tribal vraiment il n'aime pas les Tutsi. Accent na wewe ulitoka le FARDC joue à Nini. Merci. Et vous, pourquoi vous avez quitté le FARDC? Je suis comme le FARDC, joue à Bouadji, le FARDC, si il y a du compte, il y a un sur la Mutusi, à un an et à Goussem. J'ai quitté le FARDC puisque nous, personnellement, on est Tutsi. Donc, si vous êtes là, vous n'avez pas un mot à dire. Donc, on ne vous considère pas comme un être humain. FARDC, armée nationale, je suis comme où atteint la population. Donc, le FARDC, l'armée nationale, tue encore la population? Oui, oui. C'est le FARDC qui tue, massacre la population. Accent, ça, c'est un message gagné. On va partir à Ouattu, à Ouattu. Merci. Quel est votre message, le message de la fin? Nina waza message na waza pana. Kwa yote mwenye ananisikiliza sahi, ni kusimama, tunagombanisha hii gouverneur parce que il l'état yenye iko haiko l'état yenye ijue raia haiko l'état yenye iko napenda na wa ndugu zangu mimi nazaliwa Nyanzale primaire Kikuku secondaire Katwe wananijua kesho wasiende kusema niko wa mbali hapana wenye wanabaki nyuma watufuate wakuje tutie nguvu nafasi moja tugomboe wa ndugu zetu wa Kongomani. Okay, j'appelle tout le monde de venir ces jeunes drano afin que nous puissions libérer nos frères et sœurs. Accent. Asante sana, nami naweza saidia mwenzangu kama ginza anavyosema, anasema kama tunaweza lomba wandugu zetu watoke pamoja na wale wauaji. Gouvernement ya FARDC inaua, gouvernement ya FARDC inatutesa, inatesa wandugu zetu, inaiba mali ya wandugu zetu. Kwa hiyo tunaweza sema watoke pale.
Na ya mwisho mimi nazaliwa wasiwaze niko mtu wa fasi nyingine. Mimi nazaliwa Rubaya Kibabi. Mimi nakomalia Kibabi na leo kwetu ni Kibabi. Asante sana. Moi je suis de Rubaya, j'appelle tout le monde de venir de quitter cette armée, ce gouvernement qui tue, qui massacre, qui viole, qui pille nos biens, qui tue nos sœurs, nos mamans. En tout cas, tout le monde, vraiment, j'appelle à tout le monde, à la conscience, qu'ils doivent quitter cette armée. Message mina patia FRDC. Nakolba na lingala po batunyo sobayo kap malinga nga pasi wazali. Ah, je m'exprime en lingala, en fait que mes amis puissent comprendre. Po naibi ke pasi wazali nango naibi yango po naza komanda na bango. Je connais les malheurs qu'ils ont puisque je suis leur commandant. FRDC, désordre haikule, haivale. Il y a des désordres, il n'y a pas de détenus. Mutuelle de santé. Il n'y a pas d'alimentation, il n'y a pas de mutuelle de santé. Il est désordre, il a fait un tour candani, tu as été en vous face moi. Il y a un désordre nouveau, quitter ce désordre afin que nous puissions tenir main dans la main. Nakani siki wa nikonanga bazola nanga, navana bango mingi, nazaki na mabena mutumo kote. Je connais que mes frères me suivent, j'étais au sein de l'armée, mes compagnons d'armée me suivent, j'étais là en bon terme avec eux. Ils doivent quitter cette armée. Comment général nous a géré un nombre kumi, soldats chini qu'on a la général azo tonganda, soldats à certains angamé mes chocs c'est colata. Mais comment général peut avoir 10 maisons bien construites, des maisons lambrissées, mais un militaire manque même de chaussettes. Na mai kufro na chako na kuashida. Même pas de l'eau, même pas de nourriture au fond. C'est un problème. La sueur soldat il coûte 48 dollars mais il a fait qu'au soldat qu'au 0.5. On donne 48 dollars pour la ration, mais les militaires touchent 0.5 dollars. Message na patia bandugu yangu balifate bala nanga koto to te makasi place moko. Mes frères, venez, l'union fait la force, venez. Accent. Message jewe ntanga. Le message que moi je dois donner. Le message y'abantu bose bavuka muri Masisi, Rutshuru, Minembwe, Nord Kivu na Sud Kivu. À tous ceux qui sont nés à Masisi, à Rutshuru et à Minembwe, partout. Abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ko bagomba kuza tugaharanira uburenganzira. Tous les Congolais d'expression kinyarwanda qui parlent la langue kinyarwanda. Baze duharanire uburenganzira bwacu dufatanye na M23 kugira ngo tugere ku ntego yo guharanira uburenganzira bw'abantu bavuga ikinyarwanda. Qui viennent afin que nous puissions nous tous mettre ensemble pour vraiment combattre les rejets, le tribalisme et l'exclusion dans cette communauté. Kuko n'umuntu wese ufite isura y'ubututsi yicwa none muhaguruke dufatanye. Levez-vous, puisque celui qui a la figure, la forme, tout la faciès, tout si, il doit être tué. Akarengane. Le dénigrement, donc on nous dénigre. Kwica abantu urubozo. Nous sommes comme des sous-hommes, on tue comme on tue de bêtes. Ni ibintu ubona biteye ubwoba ku bantu bavuga ikinyarwanda muze dushyire hamwe. Oui, on torture, on massacre, on malmène. Tous ceux qui parlent la langue kinyarwanda, des Congolais. Akarengane. Donc, on doit vraiment se battre contre vraiment cet esprit vraiment d'exclusion. Umunyamulenge ntabwo ari gutambuka muri ho plateau. Un munyamulenge qui est dans le plateau ne peut pas se promener librement. Umunyamasisi ntabwo ashobora gutambuka isake agigoma. Même avec quelqu'un de Masisi, il ne peut pas aller facilement à Goma. Niba atambutse ngo nagurisha inka agende kugira ngo agere yajya. Non, c'est même si vous voulez vendre la vache pour aller là où il peut aller. Nous ne pouvons pas être traités comme ça, comme des bêtes, mais nous pouvons vraiment se battre pour notre liberté, pour notre vie. Accenti. Ndashimangira mbwira bagenzi banje ko bahaguruka tugafatanya guharanira kurwanya akarengane n'ubwicanyi bukorerwa abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, haba abasivile cyangwa se abasirikare. J'insiste à mes compagnons d'armes qui sont au sein des FARDC, qui viennent afin que nous puissions nous battre contre l'injustice, les massacres qu'on traite le Congolais d'expression kinyarwanda. Donc tous les Congolais qui parlent la langue kinyarwanda sont maltraités. Donc nous devons nous lever pour se battre pour notre liberté. Bon, namieni naita wa ndugu zangu, wakuye tugombanisha gouvernement mubaya. Gouvernement soda na José Aracio, soda na Teni, manake soda, tunaona ile soda manake inafanya vitu yenye haistahili. Njo maana ninawaita wote wakuye tugombanishe gouvernement juu wa mauaji ni ya mingi kwa watu ambayo ya watu wenyewe wanasema lugha ya Kinyarwanda. Waikuona manake na sura yako anakuona huko mtusi,
manake hakuna kitu ya kusema. Jomane na waita wote wakuye, tusaidiane. Ce que je dirais à mes frères qui sont encore restés de l'autre côté, qui viennent, qu'on puisse mettre, se mettre ensemble, main dans la main, en fait que nous puissions nous battre pour notre liberté. Puisque au Congo, aujourd'hui, au sein des FARDC, si vous êtes un même militaire, vous avez le faciès Tutsi, on doit vous tuer. Vous n'êtes pas un homme, vous êtes une bête. Donc venez, mettez-nous ensemble pour se battre contre cette histoire. Ukisema lugha ya Kinyarwanda manake atasie bakomanda ukiambia soda fanya hivi soda hakuna chenye atafanya atakuita munyarwanda. Si tu parles Kinyarwanda, même si tu commandes un militaire, tu donnes un ordre un militaire ne peut pas obéir. Même si tu pars sur le commandant pour lui dire, il ne lui fera absolument rien puisqu'on dit que vous êtes un étranger. Je pense que comme vous nous avez suivi, il y a ce que je vais vous le dire. Shida yenyewe iko ni kwa naita police armée na pa politicien na wenzetu wa kongomani watu angalie mbali juu hii ideology ya genocide ilishaingia mukila mtu na iko naenda iko napanda itakamata ngine sura tunajiretrouver tunakuwa sa inchi jirani mnona tukatire Rwanda ginsi likuaka. Ce que je dis, je demande aux militaires FRDC, aux policiers, à tout le monde, à la population de faire attention avec l'idéologie génocidaire qui monte à petit feu et qui commence à monter de plus en plus. Il y a risque dans ces pays que nous tombions directement comme ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Comme vous venez de le suivre, chacun a parlé de ses problèmes. Merci mon major. Ok, merci. Maintenant, j'ai une préoccupation. J'aimerais savoir quel l'air sort nos gens qui ont fait défection de FARDC pour rejoindre le M23. Mais nous, personnellement, sommes tellement contents. Le M23 est tellement content. Nous les remercions sincèrement, mon colonel. Mes colonels, je vous remercie. Les officiers, je vous remercie sincèrement. Mais ce que vous avez fait, c'est très bien. C'est encourageant. Donc, vous avez vraiment été victime. Et nous vous remercions, puisque vous êtes sauvés de ces massacres-là. On allait vous tuer. Je n'allais pas vous voir, je n'allais pas le voir. Regardez, on tue des officiers pareils. Pourquoi? C'est à cause de cette mauvaise gouvernance, de l'idéologie génocidaire de ces pays. Ok, comme vous voyez vous-même, soyons sérieux. Lorsqu'on tue de tels officiers, à cause de leur faciès, donc vous voyez quelqu'un à cause de son nez, à cause de sa figure, de sa langue, vous le tuez. Mais lorsqu'on tue les militaires pareils, qui ont des armes, alors, qu'en est-il? Qu'advenait-il à un civil qui n'a pas une arme? Mais ils sont tellement massacrés et personne n'en parle. Personne n'en parle. Donc, on les maltraite, on les turlupine, personne n'en parle. Ils souffrent. On tue, on arrête les militaires par elles. Qu'en est-il de la population de ces pays? Tolo ba ya solo, ba officier boy, bolingi bo bo mabango, pone longi. Bon, yango boni, force au bazanango, mayolo bazanango, biso to yambi bango, et que ça les sabiso. Non, M23. Peto bengi batu nyonso ba fisse batikali kuna. Babo mabino na machete te babeta bino masacite po bazoka ngabino kandoi, babo mibino po boy ko bunda. Boya to yamba bino. To sa bandeko. To lingi yango M23 lingi to former nation ezana tribalisme ti. Yango to pesi ba population na biso merci. Ta la exemple na Mokoto. Ce qui s'est passé à Mokoto. Nous remercions deux couches. Premièrement, l'armée révolutionnaire congolaise qui a sauvé des vies humaines à Mokoto. Et deuxièmement, la population. La population a refusé l'idée du génocide. Cette idéologie-là, il a sauvé d'autres peuples. Donc tout le monde était un. Et nous remercions ces abbés qui les ont donné à manger. C'est une très bonne chose. Vraiment, c'est un exemple pour nous. Il est possible, s'il y a la volonté, de vivre ensemble. Chers officiers, Karibu Kwetu, Kwetu ni Kwenu. En tout cas, beaucoup déjà Kwenu. Mukwe ngufu, en tout cas, il est machete, il est lisasi, il est soit à coule, il est ngufu, il a kili, bukuye, tout tiange pa moya, il est tout gombaniche, il est mauvaise gouvernance, na il est idéologie et un génocide dans un chietu. Accentisan. Ma Mission TV, le miroir du monde.